Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ou quelqu'un dans une des écoles qu'on regarde ici qui va être la personne, le texte va être choisi. Mais imagine-toi, là, dans une couple de mois, les paroles que toi tu as écrites, là, qui est sortie de là, va être chantées et enregistrées professionnellement. Puis ça va durer pour le restant de tes jours, man. Ça, c'est vraiment cool, man. Tu es au secondaire en plus. On n'avait pas ça dans mon temps, man. Ça, je trouve ça vraiment nice. Imagine-toi être choisi, là, tu écris le texte, pack, c'est ton texte qui est choisi, puis tu fais, man, j'ai-tu hâte d'entendre que ça va, de quoi ça va sonner, OK? Ça, pour moi, il n'y a rien de plus cool que ça, OK? Cool? Il y a des questions pour les paroles, les affaires de même, comme c'est là. Je sais que je vais le plus vite possible, parce que j'essaie de frapper les différentes. Oh, y a-tu une question de... Oui, c'est une question, ça, Timmins? Non? Non? OK. Y a-tu des questions, n'importe quoi, à date? Posez des questions, là, n'importe quoi, là. Comment moi je fais ci, comment je fais ça à l'affaire? Bonjour. C'est moi, ça, qui chantais. Y a pas de questions sur les paroles, à date? Non? Ça a été tout écrit en français, hein? Oui! Oui. Mais! Écoute-moi, là. Tu m'écoutes, là? C'est qui, en passant? Chanel Larrabee de Kapus Casing, Ontario. Kapus Casing. All right! Oui. OK. C'est mon luthier qui est à Cap. Es-tu là? Non, es-tu là, monsieur Dubos, qui es-tu là? Oh, il est pas ici en ce moment. OK. Ben je l'aime plus. Donc, je te pourrais dire bonjour, mais laisse faire. All right. C'est quoi ta question, hein, ma belle, encore? C'est tout écrit en français, hein, la chanson? Oui. OK. Mais, voici qu'est-ce que je vais te dire. OK. Moi, il y a une chose que j'aime de l'Ontario, puis avoir fait le tour du Canada les derniers 50 jours. Qu'est-ce que j'aime de la langue française, c'est qu'on a toutes des différentes façons de dire des choses. Le français à Cap, c'est pas le même français à Windsor, c'est pas le même français à Orléans. Et au Nouveau-Brunswick, c'est pareil. OK? Tu vas à la baie Sainte-Marie, le gars, il me parlait en français, je comprenais rien, là. Fallait que j'y fasse répéter en anglais parce que tellement que l'accent était tellement épais. Je fais, je sais qu'il... Mon cerveau fait, je sais qu'il me parle en français, mais je comprends pas. OK? Mais c'est ça que moi, j'aime. Et une des raisons pourquoi que je ne fais plus d'impro en Ontario, c'est parce que je suis rendu écœuré que le monde rit du monde qui parle mal français. Qui viennent de Hearst, qui fait comme, oh man, on a joué Windsor, puis Windsor, c'est montable, puis parle mal. J'étais écœuré de ça. Parce qu'eux autres vivent sur une frontière américaine, c'est leur réalité.